C'est une tentative évidente d'empêcher la réélection de M. Blatter au poste de président de la FIFA. Cela constitue une très grossière violation des règles de fonctionnement des organisations internationales. Ces fonctionnaires ne sont pas américains. Et il s'est passé quelque chose. Ce n'était pas sur le territoire des États-Unis. Donc cela ne les concerne pas du tout. C'est une nouvelle tentative évidente des États-Unis d'étendre leur juridiction à d'autres États.